Je faisais partie d'une bande. Unie pour le meilleur et surtout pour le pire. On se croyait immortel. C'était comme une hallucination prémonitoire. La plus belle des hallucinations. Les gens des Magritte m'ont appelé la semaine passée, je pense. Et je me suis dit que ça ferait plaisir à ma maman. C'est un film très underground, quoi, très art et essai. Donc, il est passé un peu en Belgique, maintenant il n'est pas sorti dans les cinémas normaux. Les cahiers du cinéma, ils sont très très reconnus dans le monde entier. Et oui, c'est super, ils l'ont mis premier du top, de leur top 2018, de leur top 10. Où sommes-nous, capitaine ? Nulle part. Capitaine. On a quand même répété pas mal avec Bertrand à Paris avant de partir à La Réunion, parce que le film a été tourné à La Réunion principalement. Après, moi et toutes les filles du casting avaient toutes déjà joué des garçons. Donc on avait toutes déjà exploré le terrain. Moi, j'aime beaucoup jouer des garçons, parce que tu... En tant que fille, enfin, après, c'est peut-être moi, mon vécu personnel, mais en tant que fille, t'as l'impression, soudainement, d'avoir le droit de faire ce que tu veux. Je crois que c'est compliqué d'être acteur en général, hein. Et être une femme dans le cinéma, souvent, la majorité du temps, il y a une pression sur... Tu dois être conforme aux clichés sexistes, point. En tout cas, il y a une variété de rôles beaucoup moins grande. Et j'ai toujours été le guignol, hein. Quand j'étais petite, ma marraine m'embarquait pour, pour m'amener chez ses voisins ou des amis pour que je les distrais, quoi. Le point de départ de l'Espagne, c'est que je suis partie vivre là-bas. J'ai vécu pendant quelques années. Et puis quand je suis partie de là-bas, des gens m'ont appelée. Et du coup, voilà, j'ai fait d'abord une première pièce qui était un Shakespeare. Et là maintenant, ça c'est fini. Je vais commencer une autre pièce à Barcelone. Et puis au printemps, je tournerai un long métrage avec un réalisateur galicien. Si je peux continuer à travailler dans des pays différents, j'aime bien. Je prends des photos, je fais des dessins. Je sculpte, petit cochon qu'elle. Moi en fait, en général, dans ma vie, pour qu'il se passe des trucs, il faut que je fasse vraiment le deuil de tout. Me dire à partir d'aujourd'hui, il ne se passera plus rien dans ta vie, jamais. Et comme ça, avec un peu de chance, il m'arrivera des chouettes trucs. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.